On a pris l'habitude de proposer à tous les enseignants de la communauté de communes un artiste qui intervient auprès des classes et qui vient ensuite présenter son concert. Du coup, il donne son concert devant des enfants qui le connaissent, avec qui il a déjà travaillé. L'année dernière, on a eu un artiste qui était sur un univers différent, c'était Brice Capel, et cette année, donc, c'est François Lemonnier. François Lemonnier, c'est un artiste aux multiples facettes, qui a un univers artistique exceptionnel. C'est, je pense, en plus pour les enfants, une rencontre humaine extraordinaire. C'est vraiment, je pense qu'il les a marqués très fortement. Et puis, le concert, c'était l'aboutissement de tout ce travail qu'il y a eu précédemment, en fait. Il a fait tout un travail d'écriture avec les enfants, au niveau des textes, au niveau des chansons, qui est absolument remarquable. Les enseignants et les enseignantes d'éducation nationale sont ravis, il a enthousiasmé complètement. Ça s'est très 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 bien passé. Mais avant de se baigner, il faut passer à la douche. Je sens que l'eau est très très bonne. Vous êtes prêts pour le plongeon? Oui! Êtes-vous prêts pour la natation? Oui! Alors les mains en position. Et un. Et deux. Et trois. François Lemonnier, il est intervenu deux fois une semaine. Une première fois sur toutes les classes. On a laissé passer une ou deux semaines. Il est revenu une deuxième fois intervenir auprès des mêmes enfants, avec à chaque fois 45 minutes, une heure suivant les âges par classe, en accord avec l'Institut, en présence de l'enseignant éducation nationale. Le but était de faire travailler les enfants sur des textes. Comment écrire une chanson? On va écrire ensemble une chanson, prenons des thèmes. Donc c'était complètement libre, complètement ouvert. Et chaque groupe d'élèves, chaque classe a écrit avec François sa chanson. François ensuite l'a enregistré. Alors suivant les cas, il l'a enregistré avec les enfants ou alors il l'a enregistré tout seul pour qu'après les enfants puissent garder ce souvenir, retravailler, pouvoir la rechanter de nouveau. Il y a eu des perles, des chansons très très belles, très très belles chansons écrites. Après, on s'est posé la question, est-ce qu'il doit, pendant son concert, rechanter les chansons des enfants ou proposer les siennes? Et on a fait le choix de dire qu'il allait plutôt proposer les siennes et leur amener autre chose. Et tous ont rendu au concert. Tous les enfants qui ont eu les interventions étaient là pour le voir après au concert. Tous les enfants de la communauté de communes. Je tape mon pied, je tape mon pied, je tape mon pied.